Mauvaise nouvelle, la crise n'est pas finie. M'en parle pas. Je sais pas comment je vais finir le mois. Ça fait 6 mois que je cherche du boulot. Tu les entends, ils n'ont pas l'air contents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jésus nous a demandé de les nourrir. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Avec nos 20 deniers en poche, on va pas aller bien loin. On ne peut quand même pas s'occuper de tout le monde. Et là-bas, on vous entend, hein? Comptez pas sur nous pour payer. Non, on fait plus que ça. Confiance. Jésus lui aussi vous a entendu. Du pain? C'est gratuit au moins. Avec Jésus toujours. On a faim nous aussi. Faites passer. Ne vous inquiétez pas. Il y en aura pour tout le monde. Oh, c'est fou, ça s'arrête pas. Les pains, c'est bien sûr de la nourriture terrestre. Mais sa parole, c'est elle qui nourrit ta vie. C'est bien beau, mais pourquoi il ne multiplie pas les pains pour tout le monde? Il n'y en aurait plus de famine. Le ventre plein, est-ce que t'aurais plus d'amour pour ton prochain? T'as peut-être raison, je me regarde trop le nombril. Eh ben, c'est le moment de changer. Tiens, partage ce pain. Il en reste encore? Oui, ces pains, c'est comme l'amour du prochain. Plus on en donne, plus il y en a. Ça, c'est la bonne nouvelle.